confiance qui peut prélever une tête au passage. La première, non, et dans le fumigène, elle se dissipe. Oh, il voit le deuxième, par contre, on est totalement naïf là-dessus. Pour l'électronique, le timing n'était pas bon dans son cerveau, dans son move, mais Hunter est en train de faire le travail. Simple a raté un tir. Et derrière, ça s'écroule. Pour Perfecto, il ne reste plus que le God. Simple, derrière la fumigène, il prend déjà le premier. Attention, il faut le respecter, il est sur le deuxième. Et il y a encore un fumigène entre les deux, Hunter le cherche. Activement, il a raté. On peut diffuse pour G2. Et maintenant il faut prendre le bon BP, ça va être sur Boomich que ça va jouer. Il est tout seul pour le moment. Et il va sortir, il va prendre doublé, il va même prendre le triplé. Perfecto maintenant en situation de 1 contre 3, il n'a aucun stuff sous la dent. Il doit aller essayer de trouver un kill, ça va passer sur Jack, le doublé là sur Nexa. On ne connaît pas la position d'Amalek, mais sans doute je crois qu'il l'a entendu au niveau de la GA. Amalek qui court, tel un lapin, et ça va passer pour Perfecto, le 1 contre 3. Encore une fois maintenant, une situation de clutch pour Simple, qui arrive à prendre le premier. Il est maintenant en situation de 1 contre 2. Du côté G2, on reprend à 2 au niveau de cette plan B. C'est pas mal joué justement parce qu'on sait que Simple est au snipe. On va pouvoir flash. Attention, la sortie d'Amanek qui est absolument pas bonne et on va pouvoir prendre le kill. Attention, là, là, ça passe pour Simple. Il perd le timing pour l'instant, mais il garde en tête qu'il peut être là. Il se retourne et le fait tomber. Attention. Parce que c'est Simple qui est là avec électronique et Simple qui va enchaîner les trois. Ça laisse Hunter maintenant en 1 contre 5 et je pense que ça y est. Et il vient de battre le record. 4 aces dans une compétition, il est le seul détenteur de ce record, c'est fini. Contre 3, il arrive à prendre un kill maintenant sur Perfecto. La revenge est faite. 1 contre 2, il n'a pas la bombe. Et il est un petit peu cerné. Heureusement qu'elle est de son côté, hein, parce qu'elle aurait pu tomber en haut de l'échelle. Ici, elle est bien sur le BPA, juste derrière les deux silos. Il prend son temps, il a 45 secondes, il a raison. Il va jouer les premiers duels. L'électronique est éliminée. Deuxième également. Nico